Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par les œufs. Aujourd'hui, on vous présente une trempette protéinée. Et la bonne nouvelle, tu le disais tout à l'heure, Stéphane, c'est rapide à faire. En fait, on peut en préparer une grande quantité avec un beau plateau de crudité, l'apporter sur le terrain et partager avec l'équipe. Alors, on débute ça. On y va. La valeur nutritionnelle de notre trempette protéinée est de 320 calories et 9 g de protéines par portion de 80 ml. La portion santé recommandée est de 20 ml par personne. Vous aurez besoin de vinaigre de cidre de pomme, de l'huile d'olive, de la moutarde de Dijon et de la moutarde à l'ancienne, de l'ail haché, du jaune d'œuf, de l'assaisonnement de poivre au citron, des épices italiennes, du yogourt grec, des feuilles de mélisse et des œufs. Dans un contenant, versez le jaune d'œuf, l'ail, le vinaigre de cidre de pomme, puis les épices au citron et les épices italiennes. Mélangez, puis ajoutez graduellement l'huile d'olive. Dans un bol, ajoutez-y le yogourt grec, la moutarde de Dijon, les feuilles de mélisse, les épices et les œufs cuits hachés. On mélange le tout et c'est prêt. On a un très beau résultat. Aujourd'hui, on accompagne la trempette avec des crudités, mais il y aurait moyen de l'accompagner avec d'autres plats. Oui, en fait, on pourrait s'en servir de base de vinaigrette pour une salade. On pourrait aussi l'utiliser comme tartinade à sandwich. En autant qu'on y va avec modération. Effectivement. Merci, Stéphane. Un plaisir. On va aller voir Eve Crépeau qui répond à la question nutrition de la semaine. Je suis avec la nutritionniste sportive Eve Crépeau. Eve, on dit qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater, surtout pendant un match ou une pratique intense. Pourquoi? Parce que quand on a soif, il est déjà trop tard. On est déjà déshydraté d'environ 2 %. Puis ce 2 %-là a comme effet de diminuer les capacités physiques d'environ 10 %. Et ça peut faire la bonne différence dans un match en deux équipes. Ça peut nuire aux performances. Absolument. Donc, l'idée, c'est de vraiment boire des petites gorgées d'eau tout au long du match pour maintenir son niveau d'hydratation. Merci, Eve. Ça me fait plaisir.